Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre émission La vérité révélée qui reprend aujourd'hui. J'espère que nous n'aurons pas de problème de connexion et que nous pourrons très facilement poursuivre cette émission dans les meilleures conditions possibles. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous devons, je dis bien nous devons, attaquer un thème un peu spécial, un peu difficile, je le reconnais. Un thème d'actualité et aussi un thème délicat, puisque le thème est vaccin et la marque de la bête. Mais avant de nous attaquer à ce sujet, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre habitué, le docteur Patrick Anani Etougué. Comment ça va, pasteur Etougué, docteur Etougué? Ça va mieux, ça va mieux. Gloire à Dieu, nous savons que la maladie est passée par là, mais le Seigneur a étendu la main et nous avons beaucoup prié, nous sommes heureux. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial le docteur Roger Camara, qui est cardiologue et qui exerce à Dakar, au Sénégal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aperçu le docteur Komi Aouté, Gilles, qui est aussi parmi nous. Bonsoir, docteur Aouté, docteur et docteur en pharmacie, et il est présent parmi nous et par la grâce de Dieu. Comment ça va, Ça va bien, Gilles? pasteur? La famille va bien? Oui, nous rendons grâce à Dieu, tout le monde supporte Comment bien. va, docteur Mara? En excellente forme. Ok, que le Seigneur soit loué. En attendant, je veux saluer tous mes amis que j'ai plaisir à revoir, en attendant que docteur Camara retrouve le son et qu'il nous le signale. Alors, j'aimerais quand même introduire le thème, puisque certainement, lorsque vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et qu'est-ce qui va se passer? Alors, que je vous dise que le thème est un thème très actuel dans la mesure où beaucoup de personnes se posent des questions, se demandent ce qui se passe. Il y a beaucoup de... On voit sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de déclarations qui sont faites ici et là, de personnes qui affirment des choses. Et aujourd'hui, de manière très générale, nous entendons des gens qui parlent du vaccin, l'obligation vaccinale et la marque de la bête. J'aperçois le pasteur Franck Voltaire, je veux le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Bonsoir, Franck. Bonsoir Guy, bonsoir à tous. Bienvenue et j'espère que c'est la forme malgré la crise en Guadeloupe, une crise sanitaire qui fait couler beaucoup d'encre et qui développe beaucoup d'énergie. Alors, je disais que beaucoup de personnes parlent en long et en large de la vaccination, du vaccin en particulier. Alors, je veux rappeler que lorsque cette pandémie a commencé, beaucoup de personnes affirmaient que le COVID-19 ou la COVID-19, appelée comme mâle ou femelle, était en fait la dernière plaie. Nous avons eu une étude là-dessus qui démontrait assez clairement que nous ne sommes pas encore arrivés au stade des plaies finales, mais que nous nous y acheminons tout doucement. Et aujourd'hui, avec la vaccination, on parle de vaccin qui serait la marque de la bête. Et j'ai entendu, et certains même me l'ont dit, de nombreuses personnes affirment que ceux qui prennent ce vaccin s'infligent eux-mêmes la marque de la bête et risquent d'avoir quelques problèmes avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de supputations. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous deux docteurs, docteur Aouté et docteur Camara, qui vont nous aider à comprendre comment fonctionne les vaccins, quels sont les phénomènes qui entrent en cause lorsque l'on est vacciné. Et comme je vous le dis, j'espère bien qu'au terme de cette première partie, puisque
Cette étude, nous allons la faire en deux parties. Nous allons concentrer un petit peu sur le vaccin et sa relation avec et sa relation théologique, si l'on peut dire. Et ensuite, la semaine prochaine, nous allons poursuivre et conclure avec les implications théologiques par rapport à la marque de la bête. Alors, je poserai peut-être la question à Dr Aouté, qui est docteur en pharmacie. Docteur Aouté, est-ce que tu pourrais nous dire, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis des années, maintenant plus de 16 ans, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un vaccin et quelles sont les implications d'une vaccination, quelle qu'elle soit? Je ne parle pas du vaccin anti-COVID. Docteur Aouté? Oui, bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde. Je suis un peu près de cours, mais globalement, je vais essayer de répondre le temps que Dr Camara prenne la main. En fait, le principe de la vaccination, comme nous tous on l'a appris à l'école, les basiques, c'est qu'un vaccin, c'est un agent infectieux, soit vivant, atténué, c'est-à-dire on prend un virus ou bien une bactérie, on le modifie de sorte que ses capacités de nuisance ou ses capacités à créer une maladie en elle-même soient atténuées. Et lorsqu'on l'introduit dans un organisme vivant, on s'attend à ce que l'organisme en question puisse réagir en fabriquant des anticorps ou en mettant en branle son système immunitaire pour que l'organisme soit à même de reconnaître cet agent infectieux par dans le futur et ayant cette mémoire immunitaire de pouvoir lutter contre la maladie. Donc, il docteur, existe... Il y a une question qui vient tout de suite, docteur. Si un vaccin est l'éjection dans un corps vivant d'un agent pathogène, on pourrait le dire, même atténué, la première question qui vient à l'esprit est: est-ce qu'un vaccin peut rendre malade? Je vais juste terminer là où j'en étais et puis amener en même temps à votre question. Voilà, je voulais juste terminer en disant que parfois le vaccin, ce n'est pas non plus un vaccin vivant atténué, mais plutôt du virus que l'on va pouvoir injecter cet arsenal immunitaire de l'organisme. Donc, quand vous posez la question, est-ce qu'un vaccin peut rendre malade? Elle ne fait pas maladie, mais parfois, c'est la réaction immunitaire qui s'ensuit après la vaccination. C'est ça qui donne fièvre, de la douleur. On se sent en très mauvais état. Donc, ça peut être ça. Maintenant, il y a des cas dans toutes sortes de vaccinations qu'on faisait par le passé, rougeole, varicelle, etc., plein de vaccins, méningite. Il y a des cas où le vaccin fait quand même une forme de la maladie, mais qui est frustrée, c'est-à-dire qui est vraiment atténuée, qui a certains symptômes qui ressemblent à la maladie pour laquelle elle a été vaccinée, mais généralement, ce n'est pas une forme à redouter. Maintenant, il est possible aussi que malgré la vaccination, que la personne qui a reçu le virus de la rougeole ou bien le germe de la méningite, il y a... Nous avons quelques petits maladie. Soucis. Voilà. Donc, il y a pas que je n'ai pas en tête parce que, bon, je n'ai pas prévu répondre à cette question ce soir, mais ça existe. Et même quand vous prenez la notice d'un vaccin, il est prévu, bon, dans les anciens vaccins, pas les vaccins qui font beaucoup l'objet de discussion, il est prévu qu'il y ait des cas, un faible pourcentage, certes, mais c'est possible. D'accord. Donc, si je comprends bien, le vaccin est, par définition, est une solution
intermédiaire, mais ce n'est pas une solution définitive. Alors, je crois que Dr Camara est à nouveau connecté. J'espère que cette fois, il nous entend et il peut parler. Dr Roger, est-ce que nous pouvons continuer avec toi? Oui, bien sûr, Pasteur. Ah, d'accord. Eh bien, la question suivante, Dr Roger, puisque Dr Aouté nous a déjà fait un petit tour d'horizon concernant la vaccination, concernant les effets éventuels du vaccin. Mais alors, j'aimerais poser à Dr Roger une question en rapport avec l'actualité. Je sais qu'il a eu l'occasion de traiter des personnes atteintes du coronavirus. Est-ce qu'il pourrait nous dire quel a été le pourcentage de succès dans... Et comment il s'en est tiré avec cette maladie, sachant qu'il y a certaines personnes qui nous regardent ce soir et qui sont probablement atteintes ou qui seraient probablement atteintes, comme c'est mon cas. Je profite de l'occasion de la présence de Pasteur Voltaire et de Dr Anani Etougué. J'ai vu apparaître Laurence, à qui je souhaite la bienvenue. Alors, je voudrais savoir, Laurence, est-ce qu'il y a des questions ou déjà des réactions sur le Zoom et aussi sur YouTube, s'il te plaît? Pour l'instant, je n'ai pas encore de réaction vive, mais je vérifie et je reviens vers toi tout de suite. D'accord. Merci et bienvenue. Alors, Docteur Etougué, est-il possible... Je dis bien, c'est une question. Est-il possible que l'on puisse interpréter un acte aussi banal que la vaccination comme un élément de théologie qui pourrait être accompagné d'une certaine compréhension de l'eschatologie? C'est une ignorance, en fait. Merci d'abord, merci pour la question. C'est une ignorance de l'histoire de l'humanité. Parce que voyez-vous, la variole a tué, je me rappelle, en 1545, plus de 800 000 personnes au Japon, en Égypte également, 800 000 personnes sont mortes de la peste. Et la vaccination en tant que telle a été inventée en 1796, parce que les gens ont voulu trouver des solutions aux problèmes de l'humanité. Maintenant, au XIIe siècle, Rolando Bandinelli, qu'on appelait le pape Alexandre III, avait banni les vaudois et les albigeois et avait interdit ces gens de pouvoir acheter ni vendre. Donc, c'est le langage apocalyptique d'Emmanuel Macron qui a créé ce problème. Qui a créé ce problème, parce que rappelez-vous quand Emmanuel Macron, le 14 juillet dans son discours à la Nation, et lançait l'offensive vaccinale, il a dit, si nous n'agissons pas aujourd'hui, le nombre de cas va continuer. Et il a donc mis le pass sanitaire. Mais il a mis que vous ne pourriez plus ni acheter ni vendre. Et là, les apocalyptiques ont donc pris ça comme ça et puis ont amené ça. C'est une ignorance. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'interdictions localisées en Europe, en Sud-Amérique, en Amérique du Nord, où les chrétiens ou les non-chrétiens ne pouvaient pas acheter ni vendre. Mais dans l'Apocalypse, la marque de la bête, c'est un problème d'adoration. D'abord, pour répondre à ta question, ce n'est pas un problème... Ça a des conséquences sociales, mais on n'arrive pas là sur le plan social. On arrive d'abord par l'adoration pour arriver aux conséquences sociales. Alors, dans le cas d'espèce, la France est un petit pays qui a eu un rôle dans la prophétie, mais ce n'est pas un rôle majeur. Donc, le fait qu'Emmanuel Macron ait dit ni acheter ni vendre n'a aucun impact dans l'établissement de la prophétie divine. Donc, c'est juste la théorie des complotistes, et c'est ce que je peux dire maintenant. C'est une fausse alerte qui n'a pas le sens qu'il faut. Oui, alors, bien entendu, le fait de ne pas pouvoir entrer dans un centre commercial sans passe sanitaire, le fait de ne pas pouvoir s'asseoir dans un restaurant sans le même passe sanitaire ou la présentation d'un document attestant qu'on a été dûment vacciné est vécu comme une privation de liberté totale pour ceux qui refuseraient de recevoir une
marque, c'est ce qu'ils disent, puisque la vaccination serait une marque dans la mesure où on fait la différence entre les vaccinés et les non-vaccinés. Bonsoir, pasteur Tony Oguma, j'espère que les choses se passent bien au Gabon. Comment ça va et quelle est la santé du peuple au Gabon? Est-ce que tu veux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Bonsoir à toutes et à tous et merci de me donner la parole. Par la grâce de Dieu, je vais bien et au Gabon, par la grâce de Dieu également, les choses vont bien. L'église va bien, elle est ouverte et les membres ont repris les activités au niveau des églises locales. Donc, par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux. Nous louons le Seigneur pour cela. Bienvenue. Alors, je retourne pour voir si nous avons à nouveau Dr Camara. Dr Roger, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu nous entends? Oui, ça c'est. Doit-on absolument se faire vacciner pour être protégé de n'importe quelle maladie? Oui, je dirais que en ce qui concerne la vaccination, je pense que c'est des procédés qui mettent en alerte l'organisme afin que au moment donné, quand nous sommes en contact, je pense qu'un de mes collègues a dû donner la définition. Je reviens à Laurence. Est-ce qu'il y a des questions, Laurence? Oui, il y a une question de Thomas qui demande, est-ce qu'à l'heure actuelle, il existe des traitements médicaux contre le COVID-19 qui seraient efficaces? Nous dirons simplement que cela existe parce qu'on en a entendu parler. Mais oui, alors, docteur Aouté. Oui, pasteur Roger, vous posez une question tout à l'heure, je n'ai pas bien suivi. Oui, alors, la question était, doit-on absolument se faire vacciner pour éviter d'être sujet aux maladies? Bon, ça dépend des maladies. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, je prends un exemple, pour en venir à la maladie actuelle. Quand je prends la méningite, par exemple, les formes graves qu'il y a eu dans le passé qui décimaient surtout la population pédiatrique, c'est-à-dire les enfants et un peu des adultes, ont fait comprendre que la vaccination, en fait, ça a donné de bons résultats. Et pour certaines vaccinations devenues obligatoires parce qu'on a estimé que le fait de vacciner donnait plus de chances à toute la population de ne plus être victime de cette maladie. Bon, c'est vrai qu'on ne les connaît plus aujourd'hui, la polio, la méningite, plein d'autres vaccins qu'on fait déjà à l'âge. La fièvre jaune. Voilà, la fièvre jaune, etc. Donc, maintenant, il y a des maladies pour lesquelles les vaccins n'étaient pas aussi disponibles que ça. Par exemple, la varicelle. La varicelle, finalement, bon, tout le monde le faisait à l'école primaire. Et puis, bon, ça passait, ça donnait quelques jours à la maison et puis ça prenait toute la classe. Donc, mais certains pays en ont fait quand même une vaccination qui plus ou moins était obligatoire selon les pays où vous résidez, où vous voulez vous rendre quand vous voyagez. Donc, doit-on se faire obligatoirement vacciner pour éviter une maladie? Je dirais d'abord non, parce que selon la maladie, on peut se dire vous ne ferez qu'une forme frustre de la maladie qui sera gérée par votre organisme. Et donc, cela explique aussi pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ne s'intéressent pas trop à toutes les maladies. Vous verrez ça aussi. Les laboratoires pharmaceutiques s'intéressent à des vaccins qui ont un intérêt à la fois financier, c'est vrai, mais à la fois de prévention au niveau mondial. Maintenant, dans le cadre d'espèce de la vaccination aujourd'hui contre la COVID, il y a deux écoles de pensée, en fait, même dans le domaine médical. La première école, c'est celle qui veut que la vaccination ne soit que la seule solution. Et la seule solution, pourquoi? Parce que quand vous voyez les cas graves, vous voyez des personnes qui décèdent vraiment proches de vous, là, on est un peu inquiet. Et on se dit, si la vaccination, comme on l'a présentée, a cette capacité d'éviter les formes graves, parce que c'est ce que l'information qui va avec les vaccins de COVID donne, c'est que ça ne vous empêche pas de contracter la maladie. Ça ne vous empêche que de faire des formes graves, c'est-à-dire des formes qui vont vous amener en réanimation, des formes qui vont faire que vous passerez plus de temps à l'hôpital, etc. Maintenant, au début, cette vaccination était beaucoup plus indiquée pour les personnes à
avec plusieurs maladies, comorbidités. Par exemple, les gens qui ont d'autres maladies avant, qui ont un diabète, une hypertension, des maladies à traitement chronique. En fait, des personnes qui sont plus vulnérables qu'une personne simple de la population qui n'a pas toutes ces maladies, qui n'a pas un système immunitaire déjà fait. Ensuite, on a élargi cela à beaucoup plus la grande population selon les pays, selon aussi la disponibilité des vaccins, et qui a fait qu'on vaccinait maintenant dans certains pays, pas que ce groupe de personnes, ni pas que les personnes âgées qui aussi font partie d'un groupe de personnes vulnérables. Maintenant, je ferme plus ou moins cette petite parenthèse pour revenir à la seconde école de pensée dans le corps médical. C'est ce groupe qui pense que la vaccination n'est pas la seule solution, ni la seule arme dont on a disposition, mais il y a des traitements qui marchent. Mais pour X raisons, on les a un peu occultés. Et ces traitements, vous voyez, dans plein de pays, il y a des pays qui ont innové en termes de traitement. Madagascar, je crois, la Guadeloupe ou bien la Martinique, il y a un professeur qui a sorti un remède naturel qui s'appelait Vito, quelque chose, Virapi. Virapi, voilà. Bon. Le docteur Henri Joseph. Voilà, moi aussi j'ai reçu ça. Certains pays africains ont innové, Burkina Faso a mis l'accent un peu au début, c'est-à-dire l'année passée, sur un traitement aussi qu'un chercheur local a développé. Et je crois au Togo aussi, il y a un chercheur qui avait un antiviral qui marchait pour la rougeole, les oreillons, et qui a essayé de faire des études au laboratoire et sur un essai clinique à l'extérieur du pays, bien sûr, où on a démontré également que son médicament était actif. Donc, disons que cette seconde école de pensée se dit, mais s'il y a des traitements qui marchent, soit naturels, soit des traitements avec des produits chimio-prophylactiques comme le protocole du professeur Didier Raoul, par exemple, qui marche à condition qu'on le mette en place très tôt, pourquoi s'enfermer dans un canevas uniquement vaccinal? Je dis toujours à ceux qui me posent la question que dans tout ça là, chacun a un peu de vrai. Il va falloir nuancer, il va falloir que les scientifiques s'asseyent pour voir un peu de logique dans tout ce qu'on fait et mettre en place un système qui permet d'inclure tout l'arsenal qu'on a à disposition. C'est un peu dommage que on n'inclut pas tout. C'est ce que moi je remarque en tout cas. Je remarque que on n'arrive pas à tout faire ensemble. Le traitement, et puis le vaccin. Et puis, pour ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, pourquoi ne pas aller vers tout ce qui va aider à renforcer le système immunitaire, par exemple? Parce qu'au début, l'année passée, je pense que beaucoup de gens ont rencontré le virus sans s'en rendre compte. Ils ont fait une forme frustre. Et c'est vrai que beaucoup aussi, selon les pays, je dis toujours selon les pays, parce que les chiffres sont diamétralement opposés quand vous voyez certains pays d'Afrique, et certains pays d'Europe ou les Antilles, chez vous par exemple, ce n'est pas les mêmes chiffres. On se disait au début, les gens pensaient que ce n'est pas la même maladie. C'est pour ça qu'en Afrique, les gens étaient beaucoup plus dans le déni de l'existence de la maladie jusqu'à ce que, finalement, la variante Delta aidant, contagiosité, est en train actuellement, depuis un mois et demi, de prendre un peu plus d'ampleur en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si le docteur Camara pourra nous rejoindre tout à l'heure pour donner un peu plus d'éclaircissement sur ça. Oui. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Oui, docteur Aouté, une petite question. Quelle est la réaction d'un docteur en pharmacie lorsqu'il reçoit un produit venant de Madagascar ou de la Guadeloupe, le Virapic? Est-ce qu'il a tendance à vouloir l'analyser, vouloir regarder qu'est-ce qu'il contient et vouloir le tester, puisque en tant que pharmacien, ce sont des produits que vous êtes invité à vendre. Bon, la réaction, d'abord, quand un produit arrive chez nous, par exemple, venant de Madagascar, etc., d'abord, il faut que le système national puisse l'homologuer, en tout cas, puisse lui donner une autorisation de commercialisation avant qu'il ne soit. Donc, cette autorisation passe par des analyses, l'analyse d'un document qui suit le produit, c'est-à-dire que le fabricant envoie tout ce qu'il y a comme data ou données, les études qui ont été faites, les autorisations qu'ils ont dans le pays de fabrication et le nombre de patients, etc., traités, etc., tout ce qui rentre dans la composition. Et c'est ce dossier qu'on analyse
avant d'homologuer. Et il y a une étude sur des échantillons qu'ils fournissent, qui est faite également avant que le produit ne tombe dans le domaine public, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, dans le cas du COVID, par exemple, lorsque vous recevez ou bien un patient vous dit qu'il a tel traitement, est-ce qu'il peut le prendre? Bon, moi, je me dis, actuellement, vu qu'on est en déficit de solutions, toutes les solutions qui sont, disons, élaborées de façon scientifique, qui s'expliquent, ce n'est pas un remède dont on ne connaît ni la composition, ni l'origine, ce n'est pas un remède miraculeux. Pourquoi ne pas l'essayer? C'est ce que moi, je me dis toujours. Pourquoi ne pas essayer? C'est comme quand vous êtes en situation de guerre, comme l'a dit Emmanuel Macron, on essaie plus ou moins tout et on essaie de voir ce qui marche. Donc, c'est ça qui a fait que, bon, moi, personnellement, je ne suis pas fermé à toutes les solutions. Je dis, chacun un organisme qui est différent. Il y a certaines personnes, le protocole du procès de Raoul marche. Chez d'autres, ça ne marche pas. Chez d'autres, c'est des traitements naturels qu'ils font localement qui marchent. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Merci, docteur. Alors, bien entendu, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd que les solutions alternatives pourraient faire l'affaire sur certains patients et pas sur d'autres, et qu'il y a des situations où il faut tout essayer à défaut de ne rien faire. Bon, alors ceci nous paraît intéressant. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Laurence si elle a des questions qui viennent des auditeurs avant que nous tournions vers notre théologien qui ont certainement un regard sur cette situation. Oui, effectivement, nous avons deux réactions depuis la première question qui était à l'heure actuelle, existe-t-il des traitements médicaux concernant le COVID-19? Michel de Saint-Martin nous demandait, donc, savez-vous quelle est la composition de la thérapie génique contre le COVID dont parlait Dr Aouté? Ça, c'est la première question. Donc, quelle est la composition de la thérapie génique abordée par le Dr Aouté? Et une autre réaction également sur le chat du Zoom. Bonjour, j'ai toujours été vaccinée. Mais ce vaccin qui est en phase expérimentale, nous le savons tous, pourquoi dois-je servir de cobaye pour cette expérimentation? Alors qu'il y a des gens vaccinés autour de moi qui décèdent chaque jour. Je ne comprends pas pourquoi tous les dirigeants adventistes, notamment donc de cette église, ne sont pas d'accord sur le sujet de la vaccination. Donc il y a deux questions dans cette question. J'ai toujours été vaccinée, mais pourquoi ce vaccin expérimental doit conduire à une expérimentation grandeur nature, et pourquoi dans certaines églises, donc notamment l'église que je viens de citer, les dirigeants ne sont pas d'accord. Alors, nous avons aussi une réaction sur le chat du YouTube. Oui, donc en fait, c'était juste en fait pour saluer nos 33 participants sur le chat de YouTube quand même qui interviennent surtout sur des petites réactions comme celle-ci. Sharon disait qu'il était donc dommage que par rapport au vaccin, on force les gens à le prendre au lieu que ça soit pédagogique. Voilà. Merci. Donc, voilà, il y a des questions. Je ne sais pas qui veut répondre à la première question. Oui, docteur. Je voudrais répondre à la deuxième question. La COVID-19 est une famille de virus à génome qu'on appelle ARN. Je ne suis pas un médecin, mais je lis beaucoup. Donc, c'est une maladie qui se développe sur le plan biologique en rhume bénin, gastro-entérite, syndrome, comme vous connaissez. Mais dans la médecine, c'est des maladies respiratoires qui ont commencé il y a plus de 20 ans par le SARS qui a attaqué. Donc, c'est pas des vaccins, expérimentaux. C'est-à-dire, depuis plus de 15 ans, la science travaille sur les maladies SARS. Et la COVID-19, c'est une SARS-CoV-2. Mais ils avaient déjà des recherches depuis 15 ans de SARS-CoV-1. Donc, ils n'ont fait qu'adapter. C'est pour cela que ça a été rapide. Bon, deuxième chose, le vaccin n'est pas là pour vacciner contre la mort. Vous pouvez être vacciné et avoir un arrêt cardiaque, par exemple. Donc, je pense que, tu vois, Pasteur Guy, le problème que nous faisons, c'est que nous avons mêlé le vaccin, qui est un problème de santé publique. Nous l'avons mis sur un problème de religion. Et tout le monde est médecin. Et c'est ça qui crée le problème.
Et un autre problème que je vois, c'est dans la communication également, de, comme le docteur vient d'expliquer, le docteur Komivi, c'est la communication de l'Office de WHO, comment on dit ça, l'Organisation mondiale de la santé, qui, à mon humble avis, est plus protectionniste des grandes pharmacies. Et c'est là où ça crée le doute. Donc, je pense quand même que le docteur a raison, parce qu'il fallait quand même qu'on exploite toutes les possibilités de salut. Maintenant, pourquoi le vaccin? Je vous ai dit donc que le premier vaccin a été inventé en 1796. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas disciplinés. En fait, le terrain nous dit, si vous suivez mes lois et mes ordonnances, vous n'aurez aucune de ces maladies. C'est ça que Dieu nous a dit. Mais vous avez donc une population qui est indisciplinée. Et c'est la raison pour laquelle je me rends compte que les gens préfèrent le vaccin, parce que le vaccin, c'est une solution à grande échelle pour une population de la santé publique. Donc, moi, c'est la réponse que je voudrais dire pour la question sur le cobaye. Je ne suis pas un médecin en tant que tel, mais je fais des lectures. Je pense que ce n'est pas un problème de cobaye. Je précise, la COVID-19 se travaille depuis déjà plus de 15 ans avec les SARS, parce que c'est une SARS-CoV-2. Oui, alors, si nous restons dans les éléments techniques, il faudrait peut-être que Dr Aouté ou Dr Camara, ils vont se décider. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre un vaccin traditionnel et un vaccin de type ARN messager? Alors, je reprends la question. Quelle différence entre un vaccin traditionnel et un vaccin ARN messager? ARN-M. Voilà, pour revenir sur la vaccination, ce que vous appelez vaccin traditionnel, en fait, c'était les vaccins qui étaient pratiqués jusque-là, parce que le vaccin ARN, il faut reconnaître qu'il est nouveau. Là, jamais. C'est un vaccin qui était au stade d'expérimental. C'était d'affaiblir des bases à l'organisme. C'est ce qu'on faisait d'habitude. On affaiblissait des virus ou des bactéries et qu'on injecte à l'organisme. Parce qu'il faut reconnaître quand même que la science ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, mais la science ne fait qu'imiter ce que Dieu a fait en nous. Et je pense que le roi David le reconnaît quand il dit, dans les psaumes 139, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, et tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Donc, Dieu a fait de la créature de l'homme quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi cela? De sorte que même quand un particule, un virus si petit, l'organisme peut le reconnaître et savoir qu'il ne lui appartient pas. Docteur Aouté, est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre un vaccin ARN messager et un vaccin que j'ai qualifié de traditionnel, mais qui n'a rien de traditionnel en fait? Oui, disons que le vaccin traditionnel, comme on l'avait dit au début, c'est un vaccin soit qui utilise un germe ou un virus entier vivant, soit inactivé ou soit atténué, ou bien une partie, etc., du germe. Bon, maintenant, le vaccin ARN messager, c'est une séquence génétique d'une partie du virus que l'on injecte, en fait. Et normalement, cette séquence arrivée dans votre organisme, c'est elle qui va déclencher le processus immunitaire pour que vous puissiez être à même d'avoir un système immunitaire qui reconnaisse le virus. Et ensuite, il y a d'autres formes de vaccins où on utilise un autre virus carrément. On appelle ça un vecteur viral. C'est un virus différent du SARS-CoV-2 dans lequel on insère le gène du virus à SARS-CoV-2 qu'on veut maintenant que votre organisme puisse reconnaître comme un non-soi ou bien une substance étrangère. Donc, c'est plus ou moins, disons, la différence. Maintenant, ce qu'on peut dire comme une innovation, c'est que le système ARN messager entraîne la fabrication de protéines virales qui, eux, vont déclencher la réaction du système immunitaire. C'est un peu comme on vous donnait un peu de matériel pour fabriquer vous-même les protéines virales
Et c'est ces protéines virales, en fait, qui vont déclencher maintenant la réaction de votre système immunitaire. Pourquoi c'est une innovation? Parce qu'avant, il n'y avait pas très... Bon, il y avait très peu de firmes pharmaceutiques qui pouvaient se le permettre. Moi, quand j'ai lu, comme Wesley Etugué, moi aussi, je lis beaucoup. Quand j'ai lu un peu comment Pfizer a pu faire en si peu de temps un vaccin de ce type-là, schématiquement, je vois qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, entre, je crois, 4,5 millions de dollars, non, milliards de dollars, et contre deux qu'ils devraient utiliser normalement pour un vaccin simple. Et ils ont dû faire abstraction de certaines règles, c'est-à-dire qu'ils se sont associés avec plusieurs chercheurs, avec d'autres laboratoires, pour mettre ensemble toutes leurs connaissances, parce qu'eux, ils avaient les moyens financiers, mais ils n'avaient pas la connaissance que, comment elle s'appelle, l'autre là, et BioNTech avait de la technicité et ils avaient de l'avance sur ce genre de technique génétique. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont fusionné beaucoup de compétences et puis ils ont signé un agrément avec les États pour préfinancer. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, voilà l'innovation, on va dire ça, de ce vaccin ARN messager. Et c'est vrai aussi que, bon, comme beaucoup de gens le disent, ce sont des vaccins qui sont à des phases d'études. Mais seulement cette fois-ci, l'étude se fait au niveau, on va dire ça, planétaire ou mondial, parce qu'on n'a pas assez de recul, c'est vrai, pour évaluer tout ce que ces nouveaux vaccins peuvent entraîner. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ou dans 5 ans, bon, par rapport à ces nouveaux vaccins? Beaucoup de gens ne veulent pas se lancer à prédire l'avenir, mais bon, on espère qu'il n'y aura pas grand-chose. Quelqu'un posait la question, je crois Laurence me disait, est-ce qu'on connaît la composition de ces vaccins? Et ça touche ce qu'on appelle, en dehors de l'ARN messager, etc., ce qu'on appelle les excipients, c'est-à-dire que les autres composés qu'on ajoute dans le flacon du vaccin. Et ça aussi, ça pose un problème parce que bien avant la COVID-19, il y avait beaucoup d'études et beaucoup de gens qui faisaient remarquer que les compositions des vaccins ont évolué avec le temps. Et il y avait certains excipients qu'on ne mettait pas dans les vaccins avant, mais qu'on met aujourd'hui et qui créent parfois des problèmes. Et ensuite, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp surtout, concernant certains excipients qui altèrent les fonctions cérébrales. Tout ça, il faut les prendre avec des pincettes. Peut-être que c'est vrai, il va falloir... Bon, mais malheureusement, il n'y a pas de possibilité au jour d'aujourd'hui de pouvoir questionner ce genre de choses sans être vu, bon, pas comme complotiste, mais comme anti-vaccin ou bien anti-procédure de santé publique. Parce que les gouvernants, eux, ils pensent à éradiquer, en tout cas, la COVID avec cette arme. Donc, comme je l'ai dit, quand on est en guerre, comme l'a dit Emmanuel Macron, bon, on fait fi de certaines choses. Bon, maintenant, jusqu'à quel niveau de risque est-ce que les gouvernants sont prêts à aller? C'est ce que peut-être la question que nous devons nous poser. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de risques? Bon, c'est une des questions que moi, je me pose parce que je me dis, vu qu'on n'a pas que ça comme arsenal, pourquoi est-ce qu'on ne limite pas les risques? Parce que les risques sont toujours là par rapport à ces nouveaux vaccins. Les risques ne sont pas zéro. On ne sait pas ce qui va se passer après la vaccination en masse qui est faite actuellement. Et il y a, je crois, un chercheur danois suédois qui avait également écrit par rapport à son analyse de cette vaccination qui, selon lui, entraînerait une restriction du système immunitaire à ne pas reconnaître toutes sortes de virus de la famille des coronaviridés. Et son analyse en tant que chercheur aussi, elle est tenable, ça tient la ligne. Il se dit cette vaccination qui est hyper ciblée contre le coronavirus, COVID-19, empêcherait
que votre organisme soit à même de réagir contre un coronavirus peut-être qui va sortir dans 2 ans. Moi aussi, je l'ai lu, j'ai réfléchi un peu. Son analyse était, ça me paraissait logique. Bon, mais bon, l'avenir, peut-être, c'est ça qui nous dira hein, par rapport à qu'est-ce qui est la meilleure alternative. Mais je pense que Dieu faisant les choses, mon analyse, c'est que les choses se décantent. En tout cas, on y voit un peu plus clair avec le temps, avec quelques mois de recul. On essaie un peu de comprendre mieux et de choisir la meilleure option. Bon, tant que ce n'est pas encore obligatoire pour certains pays. Docteur, on a bien compris que nous sommes toujours dans une phase d'incertitude, une phase d'attente, d'observation. Mais je rappelle que le thème de l'émission, c'est le vaccin et la marque de la bête. Et j'ai dit en début d'émission que nous allions nous intéresser d'abord à comprendre le phénomène vaccinal, comprendre ce à quoi on est exposé. Et la deuxième partie sera plus théologique la semaine prochaine, où nous allons nous intéresser essentiellement à la marque de la bête, même si aujourd'hui nous allons faire le pont dans un moment. Si j'ai bien compris, la vaccination ARN messager serait une nouveauté, même si c'est à l'étude depuis des années, mais c'est en même temps une nouveauté. Il y a certaines questions qui se posent ici ou là, et j'aimerais demander à Laurence si elle peut nous les transmettre à nouveau, avant que nous posions une question à Pasteur Voltaire, Pasteur Ogouma et Docteur Etougué, et Pasteur Pradel aussi, je crois. C'est quoi la question? Eh bien, depuis l'intervention de Docteur Aouté, il y a eu une déferlante sur notre chat Zoom, puisque certains internautes interviennent en disant qu'ils pensent que ce vaccin qui nous est proposé n'est pas expérimental, bien que Dr Aouté ait fait le point justement sur la nouveauté de ce vaccin. Yvette a aussi est intervenue plusieurs fois en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi nos églises faisaient du vaccin et du virus un sujet doctrinal. À ceci, Val a répondu que nos églises n'en font pas un sujet doctrinal puisqu'il n'apparaît pas dans les 28 croyances fondamentales de certains mouvements. À ceci, Ricardia répond, est-il vrai que l'injection ARN-M, donc ARN messager, permet à l'organisme de fabriquer des anticorps spécifiques au virus en supplantant notre immunité naturelle? Est-ce la raison pour laquelle il faut des rappels par manque d'immunité? Il me semble que Dr Aouté a aussi abordé cette question de l'immunité concernant le virus et l'injection du vaccin. Donc, on verra s'il peut répondre à cette question. Est-ce que le fait de prendre le vaccin supplante l'immunité naturelle? Et ce qu'il faut justement faire, c'est que rajouter des vaccins pour renforcer cette immunité. Yvette a aussi répondu donc à la réaction de Val en disant que oui, on n'a pas dans nos 28 croyances le virus et les vaccins. Sauf que quand on dit que c'est la marque de la bête, ben, ça devient un sujet doctrinal. Patrick a aussi réagit en disant que certains scientifiques pensent que vacciner toute une population en période de crise a pour effet de multiplier l'apparition de variants. Qu'en pensez-vous, docteur? La question de savoir de quoi est composé le vaccin était donc la dernière réaction de Michel de Saint-Martin. En réalité, le docteur Aouté a répondu. Hein, le vaccin est composé d'un virus qui est donc affaibli pour les virus classiques et pour les virus ARN messager, il s'agirait donc d'injecter la possibilité de produire des protéines qui permettent aux cellules de reconnaître le vaccin et de lutter contre. Non pas de ne pas l'avoir, mais de lutter quand on l'a. Voilà, ce sont toutes les réactions que nous avons. Docteur Aouté ou Docteur Camara, est-ce que vous pouvez répondre aux dernières questions qui relèvent de la médecine concernant l'action éventuelle du vaccin? L'immunité naturelle. De l'immunité par rapport à l'immunité naturelle. Ce que je tiens à préciser, en fait, par rapport au vaccin ARN, c'est, je crois que le professeur Patrick Etougué l'avait dit, que c'est une vieille technologie qui est en travail depuis très longtemps. Et seulement, certains ont déjà été testés, sans qu'il n'y avait pas eu beaucoup de publicité autour. Par exemple, le virus du Zika
certains pays qui ont cette problématique le connaissent, le virus de la grippe et ensuite la dengue, la rage, voilà, la rage et puis les cytomégalovirus. Et ces vaccins ont été testés sur, je crois, 600 participants dans les essais cliniques qui ont été faits. Et ensuite, ce qu'il faut encore dire par rapport à toute cette expérimentation, c'est que ce nouveau vaccin, quand vous prenez assez de recul, vous vous rendez compte que c'est, je me dis hein, que ça doit être une solution pour éviter probablement les formes graves, comme on le stipule. Et les autorités sanitaires l'ont bien expliqué que le vaccin ne va pas empêcher la contraction de la maladie. Elle ne va faire que d'empêcher de faire une forme grave. Pourquoi? Parce que votre organisme, plus ou moins, sera déjà prêt à combattre ce COVID-19. Maintenant, si vous regardez aussi bien les chiffres, c'est que l'immunité que confèrent ces vaccins contre COVID-19 n'est pas éternelle. Elle n'est pas comme certains vaccins, on vous le dit, c'est un vaccin à vie, comme la fièvre jaune. Ce n'est pas comme ça. C'est une immunité assez courte même, parce que je crois pour certains, c'est 8 mois, pour certains, c'est 6 mois. C'est pour ça que la procédure de rappel de première dose, deuxième dose, troisième dose en Israël a déjà commencé. Certains pays sont même à la 4e dose. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela? C'est que soit ça va devenir comme les vaccins de la grippe qu'on fait en Europe, ou c'est un vaccin annuel, il faut le faire chaque année. Soit c'est ce qui va se passer à la limite, ce que bon, moi j'analyse, je vois ce qui se passe dans tous les pays qui ont pris de l'avance sur la vaccination, Israël. Il y a un pays aussi qui est les États-Unis. Bon, vous vous rendez compte que, bon, bientôt, faire des rappels va devenir quelque chose d'aussi banal. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on remarque aussi, c'est que toutes les personnes vaccinées ne sont pas nécessairement exemptes de faire la forme grave. Il y a toujours une population, j'ai cru voir, je crois, dans une revue en Israël récemment, où des personnes hospitalisées étaient néanmoins vaccinées, qui ont fait quand même des formes graves. Et c'est là où ils ont commencé à dire qu'il faut faire la troisième dose d'abord, avant d'être vraiment encore bien immunisé pour partir encore pour 6 mois, bien parti pour 8 mois. Donc, ça veut dire que, quelque part, certes, la vaccination va aider pour un certain nombre de personnes, mais pour certains, malgré la vaccination, ils vont quand même faire une forme grave de la maladie. Et pour certains autres, ils vont quand même faire une forme de la maladie qui est légèrement asymptomatique, bon, pas très grave jusqu'à l'hospitalisation, certes. Maintenant, par rapport à l'immunité, est-ce que ce vaccin remplace votre système immunitaire? Moi, je dirais non, parce que votre système immunitaire, pour peu qu'il soit en très bon état, vous avez autant de chances que quelqu'un qui est vacciné. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous voyez un peu le tableau de certaines personnes, je ne dis pas tous, hein, certaines personnes qui sont vaccinées et de certaines personnes qui font la maladie COVID jusqu'à l'hospitalisation, etc. Généralement, c'est soit que la personne a une tare ou une maladie chronique qui traîne, soit que la personne était dans un état immunitaire faible. Et quand je ramasse tout ça, quelqu'un le disait, je ne sais plus si c'était ici, que le Seigneur a promis que nous n'attraperons pas les maladies dont il a frappé Israël, quelque chose comme ça. Et quand vous mettez tout ça ensemble, quelque part, bon, moi, la problématique que ça me pose en tant qu'adventiste, hein, c'est que est-ce que les 8 mois de la santé que nous prenons ne seraient pas en réalité le vrai remède sur lequel nous devons assez insisté, parce que quand vous prenez la population, bon, je prends par exemple mon pays, moi je suis au Togo. Quand vous prenez notre population, bon, les 8 lois de la santé, c'est vraiment pas très, très, très suivi. Et en temps de crise comme celle-là, normalement, tout ce qui pourra faire que le système immunitaire soit plus aguerri, ça se résume dans les 8 lois de la santé. Bon, vous ne pouvez pas ouvrir les bars, les discothèques, sachant que l'alcool n'aide pas le système immunitaire et puis vous attendre à ce qu'il n'y ait pas une flambée des cas. Bon, je trouve que ça, c'est,
c'est se cacher la tête, c'est la politique de l'autruche. Vous ne pouvez pas insister autant sur des vrais remèdes naturels qui sont à portée des gens. Il faut se reposer, il faut manger sain, etc., faire des exercices physiques. Quand vous n'insistez pas sur ça, les gens pensent que dès que je me vaccine, c'est fini. Je suis béton sous un bouclier d'acier et puis c'est fini. Non, le système immunitaire, c'est lui qui doit être en fait la cible de tout protocole en fait. Tout comme le vaccin en fait, le vaccin n'est pas un médicament pour traiter directement, mais il agit pour que votre système immunitaire prenne le dessus sur la maladie en étant un peu circonspect, en étant un peu focus sur le COVID-19. Maintenant, pourquoi ne pas agir carrément sur tout le système immunitaire et faire en sorte que ce système immunitaire, quel que soit COVID-19 ou quelles que soient les autres maladies, que vous puissiez quand même être à même de lutter contre la maladie, parce que le COVID-19 n'a pas effacé le paludisme, n'a pas effacé toutes les autres pathologies qui sont plus d'actualité dans certains pays comme les nôtres. Donc, je me dis, il faut utiliser autant qu'on le peut toutes les stratégies qu'on a, qu'elles soient vaccinales, qu'elles soient médicales, qu'elles soient d'ordre naturel, qu'elles soient médicinales, voilà, qu'elles soient liées à tout ce que nous connaissons comme facteur favorisant d'une bonne santé, d'une hygiène de santé. Pourquoi ne pas utiliser ça? Et je pense qu'au sein de l'Église adventiste, c'est le lieu de se rendre compte. Moi, quand je prends mon exemple, moi, quand j'analyse chaque fois que des personnes me parlent de la maladie, je vois facilement qu'il y a une règle de santé qui ne va pas avec. Et peut-être c'est ça la porte d'entrée. Peut-être c'est ça qui fragilise notre organisme au point qu'on n'arrive pas à tenir contre cette maladie. Mais ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas que, bon, parce que je suis l'aiguille de la santé, forcément, donc je vais éviter. Non. Mais ça contribue, ça rentre dans l'arsenal, en fait, que nous pouvons avoir à nos dispositions. Docteur Raouté, je rappelle, est docteur en pharmacie. Et c'est la raison pour laquelle il parle de façon très technique de ces excipients et aussi de ces vaccins. Mais la question demeure, en fait. Et moi, j'ai dit que j'allais poser une question aux théologiens qui sont autour de nous, pasteur Pradel, docteur Etougué, pasteur Voltaire et pasteur Obouma. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui, selon vous, peut pousser quelqu'un à penser que la marque de la bête serait imposée par un simple acte médical comme la vaccination? Qu'est-ce qui peut provoquer une telle réaction ou un tel type de pensée, un tel courant de pensée? Alors, bonsoir à tous. C'est une question fort intéressante. Je vais simplement répondre de façon simple. J'ai pu observer la montée du phénomène hein, dans nos milieux religieux vis-à-vis de la vaccination, du pass sanitaire et autres. Il y a un lien qui a été établi entre ces éléments-là et le fait religieux ou encore les croyances ou même les doctrines même religieuses, partant du fait que notre gouvernement, au départ, l'an dernier, a pris des mesures très fortes afin d'endiguer ce phénomène. Et donc, les églises ont été fermées. Jamais dans notre histoire récente, on avait fermé les églises. Donc, plus personne ne pouvait se déplacer afin d'adorer en collectivité. Et cela a été perçu par plusieurs comme un signal de temps de la fin, de persécution, d'autant plus que cela venait du pouvoir civil et politique. Donc, il y a un lien, un amalgame qui a été fait directement. On a remarqué un engouement pour les lectures des écrits eschatologiques,
et pour ce qui nous concerne en tant qu'adventistes, un regain pour l'étude des prophéties. Mais tout cela dans un climat de très, très anxiogène. Je dirais donc que ce qui entraîne de façon générale de telles attitudes vient en premier lieu d'une grande ignorance de la parole qui très souvent est étudiée en dehors de toute loi herméneutique, des textes bibliques qui sont enlevés de leur contexte, des oreilles que l'on tend à toutes sortes de doctrines et de faux enseignements et de la difficulté aujourd'hui perçue chez certains à rester cohérent, à rester logique, à étudier le texte biblique de façon analytique. On part dans la démesure et on associe des éléments qui sont pour lesquels il n'y a pas d'association à faire, et ça donne donc une situation très amalgamée. Voilà un peu ce que je pourrais répondre à la question que tu poses. L'ignorance, un climat anxiogène cultivé, bien sûr, entretenu par les réseaux sociaux, surtout qui font un travail de sape aujourd'hui et qui, à mon sens, est une crise. Au sein de cette crise sanitaire, à prendre en considération, surtout pour les responsables d'église qui doivent aujourd'hui parler, qui doivent aujourd'hui transmettre. Ces réseaux nouveaux, modernes, sont devenus des éléments qui peuvent entraver sérieusement la communication des organismes officiels. On pourrait ajouter à ça deux raisons socio-culturelles. Il y a la rhétorique populiste, il y a l'idéologie de l'extrême droite qui a été également épousée par les chrétiens, pour ajouter à ce que le pasteur Voltaire ajoute. C'est-à-dire que les chrétiens pensent que l'histoire est voulue et programmée par des instigateurs de la conspiration. Ils pensent que donc, tout est lié, tout a un sens et toute cause unique peut expliquer la marche du monde. En réalité, les complotistes, dès qu'il y a un soupçon de chose, ils identifient derrière la chose une force grandiose là qui manipulerait le monde. Donc, la complexité de ça, c'est que la réalité sociale est tronquée, elle est anormale, elle est fruit d'un dérèglement, mais orchestré volontairement par ceux qui contrôlent la politique et l'histoire. Mais c'est là où je pense que les chrétiens ont fait tort. Ils ont tort. Parce que dans Daniel chapitre, je crois, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 2, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu au contrôle. Même si des hommes se cachent dans les ténèbres, Dieu est au contrôle de l'histoire. Dès qu'un moment, un chrétien doute que Dieu est au contrôle de l'histoire, alors ce que a notamment expliqué le pasteur Pradel là est possible. La solution logique, c'est de penser donc que le monde veut nous tuer en nous mettant le vaccin et toutes les théories que vous avez lues à YouTube. Voilà ce que je pouvais ajouter. L'ignorance est un élément. Récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai entendu quelqu'un dire, et de bien placer, que la cause de la crise était liée aux fake news. On entend plein de choses de ce genre. Mais revenons à notre sujet, parce que c'est une réalité. Il y a des gens qui décèdent, par coïncidence peut-être, 2 ou 3 jours après avoir reçu une dose ou deuxième dose. Alors, à un certain moment, on se demande, mais vers quoi on va? Est-ce qu'on va vers 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses, 10 doses? Moi, personnellement, je vous dis que j'aurais préféré commencer par la 4e dose, si c'est elle qui est plus efficace, et me passer de prendre les 3 premières. Bon, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe au sein des communautés religieuses ou des pasteurs, des anciens d'église, des membres? Appellent à la vaccination, d'autres appellent à la non-vaccination, certains prémunissent et préviennent leurs membres qu'ils n'auront accès à aucune des bénédictions de Dieu s'ils décident de se faire vacciner parce qu'ils auront finalement dans leur corps un élément qui les rattachera à
à cette fameuse marque de la bête. Alors, je rappelle que la marque de la bête, c'est, la Bible nous le dit, et c'est dans le livre de l'Apocalypse 13, verset 18, qui nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et ce nombre est 666. Je veux réserver l'émission de la semaine prochaine à étudier ce phénomène pour que nous puissions bien nous situer. Comme l'a dit le docteur Etougué tout à l'heure, la marque de la bête a à voir avec l'adoration. Donc, ce serait bien que jeudi prochain, nous puissions nous pencher sur l'adoration avec toutes ses, avec tous ses attributs et tous ses dépens par rapport à la vaccination. Mais quand quelqu'un est vacciné, et ça, c'est la question très importante. À partir du moment où on pense que se faire vacciner, c'est s'inoculer un poison d'une manière ou d'une autre, que ce soit un poison nocif ou un poison moyennement nocif ou un poison inoffensif, dans l'alternative, si quelqu'un a le choix entre se faire vacciner et se soigner ou être forcé à se faire vacciner et pas forcé à se soigner, quelle est la position qu'il pourrait tenir et espérer obtenir les grâces et les bénédictions de Dieu? Voilà une question insidieuse. Écoute, pasteur, je veux peut-être... la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Dieu a ses scientifiques qui sont des croyants, comme Satan a ses scientifiques qui sont des démons. C'est le monde est fait ainsi. Mais le problème, c'est que quand moi, chrétien, je doute de la science à première value, je ne fais pas du bien également à moi-même. Parce que Satan n'est pas l'inventeur de la science, puisque Dieu est celui qui possède l'intelligence et qui nous la donne. Donc, il y a des scientifiques là qui sont intelligents, qui sont mus par Dieu, qui sont mus par la santé publique. Moi, pour moi, dans mon église, j'avais un ancien qui il allait dans ce qu'on appelle le darknet. Je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est une forme d'Internet qui n'est pas vulgaire. Il allait là-bas pour chercher des solutions. Et il a créé des problèmes dans l'église. Et puis après, j'ai attendu 3 mois patiemment parce que je voulais comprendre le phénomène. Après, j'ai fait une recherche et puis j'ai dit non, écoute, attention. La vaccination est une responsabilité individuelle. C'est un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème de religion. Dès que cela est établi, quand je dois répondre à la vaccination, je réponds à un État. Mais quand je réponds à la marque de la bête, je réponds maintenant à Dieu et au diable. Donc, quand cette symbiose est faite, il n'y a pas de problème. Le seul problème que nous avons eu, comme pasteur Voltaire l'a démontré, c'est que nous avons mêlé les deux et maintenant nous avons un problème. Parce que nous avons mêlé les deux, nous avons mis le vaccin, nous l'avons positionné comme étant la marque de la bête et ça crée donc une difficulté énorme. L'étadier, Jean-Claude. Pasteur, ça fait un moment que je suis en train d'écouter. En fait, j'écoutais concernant les pasteurs parce que Dieu dit que il y a un verset qui dit que tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Dans le sens que tout ce qu'on ne fait pas de notre propre conscience, le choix qu'on a fait, si on ne fait pas le choix nous-mêmes, c'est des gens qui nous doivent faire le choix. C'est comme s'ils sont un péché. Parce que nous, on ne veut pas faire quelque chose et on nous oblige à faire quelque chose. Par exemple, Dieu dit que et soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, si je vois que cette histoire de vaccin, moi, j'ai un doute sur ça. Je n'ai pas à me mêler de cette histoire-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans nos églises, au lieu de nous prêcher le message des trois anges, on nous prêche vaccin. On nous prêche vaccin. On dit que les Noirs ont pris vaccin, ceci a pris vaccin. Chaque personne est libre de faire son choix. Dès que ça arrive, les pasteurs commencent à nous dire qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qu'il faut faire, mais ça devient comme, je ne sais pas quoi, maintenant on a plus le choix. On nous dicte notre choix. C'est la même chose que j'ai entendu un pasteur en Martinique qui disait que donner à César ce qui est à César. Moi, mon corps n'est pas à César. Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Moi, mon corps appartient à Dieu. Et tout ça, tu vois, pasteur, des fois, ça met des doutes, ça met des trucs. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que nos dirigeants même qui sont à la tête de nos églises, eh bien voilà, des fois, ils nous mettent plus en doute que nous-mêmes. Et ça fait que nous aussi, on garde notre position. Le vaccin, c'est vrai que les gens, on parle même d'Hélène Ouais qui dit, ouais, il faut prendre des vaccins. Non, chaque personne a le libre choix de choisir. Dieu nous a donné le libre droit de choisir. La vie éternelle, elle est individuelle. On n'a pas à nous prêcher vaccin. On doit nous prêcher les messages des trois anges, des messages pour nous réconforter, pour permettre à notre foi de grandir,
mais pas nous prêcher dans les vaccins, dans les églises, vaccin, vaccin, vaccin. Les choses sont très claires, apparemment, c'est une question de choix personnel. Alors, nous approchons de la fin de cette rencontre, puisque cela fait déjà une heure que nous sommes ensemble. Il est clair que nous ne pourrons jamais résoudre tous les problèmes, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a donné à l'homme la sagesse, il lui a donné l'intelligence, il lui a aussi donné le libre arbitre, à lui de l'exercer avec intelligence. J'aimerais savoir, lorsque des professeurs comme le professeur Henri Joyeux, qui a fait plusieurs conférences, notamment en Guadeloupe, hein, pour nous, pour les adventistes et bon, tous ceux qui voulaient participer, le professeur Montagnier, bien d'autres, nous prévient sur ce qu'est le vaccin, enfin, je dirais plutôt injection, et conseille de ne pas se faire vacciner en donnant tous les éléments scientifiques, hein, puisque ce sont des gens du domaine. Est-ce que, ben, je sais, comment en fait, bon, ceux qui sont sur la plateforme, qu'on les considère, parce que ce sont des gens qui sont dans le domaine et qui savent ce qu'ils disent. Donc, il y a ça aussi qui fait que beaucoup ne souhaitent pas se faire vacciner, puisqu'on prend des conseils, pas de ce que vous avez, ce qu'on appelle fake news, mais des conseils auprès des gens qui sont tout à fait dans le domaine. OK, moi, je voudrais prendre le cas de le professeur prix Nobel Luc Montagnier, ou bien le cas du professeur Raoul. Dans leur position, Raoul a mis en avant le traitement alternatif. Il a été visité par Macron, il a été pris au sérieux, mais il a été rejeté par la plupart des comités scientifiques. Le professeur prix Nobel, Luc Montagnier, lorsqu'il a émis sa chose, derrière son idée, c'était la théorie du complot. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde entier gît sur la puissance du malin. Ça, c'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas besoin de Luc Montagnier pour savoir que le diable veut détruire la santé. Mais le problème, c'est que, Pasteur Guy Roger, en fait, nous décidons nous-mêmes. Parce que regarde, la COVID-19, tu vas voir dans le cas des États-Unis, tu peux voir peut-être 5000 cas infectés en une semaine, en un jour. Tu vas voir 200 morts et il y a des guérisons. Ça, c'est juste une grippe, mais très forte, mais qui attaque les voies respiratoires. Mais qui est en danger? C'est des gens qui ont une... Je m'excuse, je ne veux pas manquer de respect aux morts, mais les gens qui ont le diabète, toutes ces maladies liées à une mauvaise alimentation. Or, Dieu nous a dit dans la parole, si vous respectez mes lois, mes ordonnances, je vous épargnerai de toutes ces maladies. Et je suis d'accord avec le docteur, en réalité, les États du monde ont tort de prendre l'Église comme étant... des événements non essentiels. Par exemple, ici à Trinidad, on ouvre les magasins, on ouvre tout, mais l'église, on donne une heure. Mais le magasin est ouvert toute la journée. Donc, vous voyez, il y a un problème à la fois des États qui ont une mauvaise communication, il y a un doute qu'ils donnent aux gens, il y a des scientifiques pour et contre, mais à la fin, je suis responsable. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on en fasse un problème d'église, c'est un problème personnel. Si Luc Montagnier t'a convaincu, tu ne prends pas le vaccin, c'est ton droit le plus absolu. Mais le problème devient problème lorsque tu forces l'autre à ne pas en prendre. Et c'est là où je pense que pour moi, à mon humble avis, où se trouve le problème. Merci. Moi, j'ai été vacciné. Je suis encore vacciné, mais de force. J'ai été vacciné de force par mes parents. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Quand je suis né, ils m'ont fait vacciner. Et puis, ils m'ont dit, je suis vacciné, on m'a donné un carnet. Mais je ne sais même pas si j'ai été vacciné, vraiment. Bon, mais en tout cas... je suis vacciné. Dans les aéroports, quand on me dit « Êtes-vous vacciné ?» Je dis « Oui !» Et on me dit « Bon, passez, mettez-vous de ce côté-là. Là, c'est les vaccinés. De l'autre côté, ce n'est pas les vaccinés. » Bon, mais je préfère rester parmi les non-vaccinés parce que je me sens un peu plus en sécurité. Alors, c'était pour changer de cadre et de temps. Pasteur Voltaire, oui. Oui, j'aimerais répondre simplement à la préoccupation de Lisa, que je salue au passage. Et lui dire que là où on va trouver des êtres humains de ce côté de l'univers touchés par le péché, il faut s'attendre à des divergences, il faut s'attendre à des prises de position qui soient contraires, qui soient opposées sur des mêmes faits constatés. Ça, on l'observe aujourd'hui dans le milieu scientifique, ou plutôt un voile s'est levé sur les yeux
des peuples que nous sommes, sur la façon dont les choses s'opèrent dans le milieu scientifique, mais ça a toujours été le cas. Donc, à la faveur de cette crise, les antagonismes sont mis en lumière. Ce même phénomène est observé aussi dans le monde religieux et a fait l'histoire de la religion. Là où vous trouvez des hommes, vous avez des interprétations et vous avez autant d'interprétations que vous avez d'êtres humains sur un même texte biblique. Voilà, donc il faut donc se donner une conduite, entrer dans une démarche, docteur Itougué l'a dit, qui soit personnelle et se laisser convaincre par soi-même de ce que l'on croit être une norme, une façon de procéder, d'agir, et maintenant aller chercher à droite, à gauche, glaner ça et là, des éléments qui, à nos yeux, font sens. Alors, on peut bien sûr se retrouver à un moment donné dans la confusion parce qu'on peut trouver du sens et à droite et à gauche, mais il faudra peser le pour et le contre. Et puis, avec le temps, et nous avons cet avantage, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui prennent le temps d'étudier la parole de Dieu, nous pouvons aussi demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous indiquer quelle est la meilleure conduite à avoir, quoique, il faut se le dire, que cette question de vaccination n'a pas de lien avec le salut, n'a pas de lien avec ma vie éternelle et mon salut qui est déjà garanti en Jésus-Christ dès lors qu'il est mort à la croix du calvaire. Amira, oui. Bien, Louisa. Oui, merci beaucoup pour la question, pasteur, pour les réponses, pasteur Voltaire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un débat que j'apprécie, mais je crois que maintenant, on n'a plus le temps de trop essayer de chercher, discuter, dans la mesure que maintenant, c'est obligatoire. Je vous explique. Hier soir, j'ai reçu, ça devient obligatoire pour tout le monde. Ça se met en place petit à petit. Hier soir, j'ai reçu un message de quelqu'un qui disait que sa nièce, qui travaille dans un milieu hospitalier en France à Paris, elle a reçu sa lettre de mise à pied. Et plus elle a reçu ensuite, je crois hier, disant que si elle persiste à ne pas se faire vacciner, on va lui enlever le diplôme, son diplôme. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un qui n'est pas au courant de ça, qui m'a dit que c'est la même chose qui est arrivée à quelqu'un de sa famille. Donc maintenant, il faut savoir que ça va être obligatoire d'une façon ou d'une autre. On verra, en espérant que ce que je dis, que je me trompe. Donc, je pense que comme débat, il faudrait voir aussi quel antidote, qu'est-ce qu'on peut prendre pour ceux qui sont obligés, qui seront obligés à prendre le vaccin, pour éviter, minimiser, voire détruire les effets secondaires de cette injection. Je pense qu'on doit beaucoup se baser sur cela, parce qu'on peut prendre tous les renseignements comme on fait maintenant. Si on nous oblige d'une façon, on va enlever la retraite, on va enlever ceci, bref. Qu'est-ce que je peux faire pour, quand je prends cela, bien sûr, toujours avec l'Esprit de Dieu, hein, parce que tout se passe en demandant à Dieu, et Dieu nous fait savoir des choses qu'il a créées dans sa création qui pourraient nous aider à enlever le maximum d'effets secondaires de ce produit. Oui, je crois que l'une des raisons pour lesquelles les gens se posent beaucoup de questions, personnellement, moi aussi je m'en posais beaucoup, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une guerre de scientifiques. Hein. Bon, ça a été dit par le docteur au début, et ça a toujours été le cas dans le domaine scientifique, où certaines écoles ont une conception, d'autres écoles voient les choses d'une autre manière. Mais j'ai souvent remarqué, par rapport aux médias, ce qui se dit, que ça soit dans les médias ou les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a une espèce de combat contre ceux qui seraient anti-vaccination. Donc, c'est peut-être une volonté du... Je n'ai pas la réponse au pourquoi. Hein. C'est peut-être une volonté du gouvernement, parce que le gouvernement en France a fait son choix, c'est d'imposer la vaccination au maximum de personnes, ou en tout cas, permettre au maximum de personnes d'être vaccinées pour rapidement enrayer le nombre de morts, le nombre de personnes malades. Mais je remarque souvent... nous avons des informations selon laquelle certains médecins qui voudraient traiter disent qu'on leur fait la guerre. Donc, et je crois que c'est ce qui nourrit un peu cette théorie qu'on dit du complot, où on aurait l'impression, ou quand d'autres peut-être thérapeutes voudraient traiter,
par des moyens médicaux. Comme j'ai entendu aussi, je ne peux pas évidemment vérifier l'information, je ne suis pas médecin, mais j'ai entendu dire que les stocks d'ivermectine ou d'autres traitements médicaux que nous avions dans nos pharmacies ne peuvent pas être distribués à tout le monde comme ça l'a été un moment parce qu'on veut que tout le monde soit vacciné. Je ne peux pas prouver ces affirmations, mais on a l'impression qu'il y a une guéguerre entre ceux qui veulent que ça soit la vaccination et ceux qui veulent traiter par d'autres méthodes. Et je crois que c'est ça qui fait un peu la faiblesse un petit peu en cette période de crise, parce qu'on a l'impression d'une concurrence entre deux systèmes et je crois que ça jette beaucoup les gens dans le trouble. Et je crois que ce serait au bénéfice de tous que toutes ces différentes méthodes soient alliées, comme l'a dit aussi le docteur au début, que les différentes méthodes soient alliées pour trouver une solution à ce problème. Mais il est clair, cher Thomas, que l'objectif n'est peut-être pas de soigner. Parce que si l'objectif était de soigner, je ne vois pas pourquoi on ferait l'économie d'utiliser toutes les méthodes existantes ou supposées pour essayer d'obtenir un résultat. Je crois que ça a fonctionné comme ça jusqu'à présent, jusqu'au moment où on a imposé une seule méthode, c'est-à-dire la vaccination. Mais ça, c'est un débat qui ne terminera jamais, d'autant plus qu'apparemment, c'est un débat qui prend corps dans les églises, dans les milieux religieux, et qui devient nocif, j'allais dire même caustique, par rapport à la vie d'église aujourd'hui. Alors, nous allons bientôt terminer notre première rencontre. La semaine prochaine, nous allons nous pencher sur la question de la marque de la bête en rapport avec cette vaccination que certains présentent comme une préparation à recevoir la marque de la bête. Alors, le discours évolue. Mais j'aimerais aussi rapidement demander à Laurence, est-ce qu'il y a encore des questions que nous devrons enregistrer pour les traiter dans les émissions qui viennent? Oui, pasteur Roger, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réactions. Effectivement, je pense qu'il faudra une deuxième émission voire une troisième sur ce sujet, puisqu'il y a eu une guerre entre nos internautes qui était partagée entre le problème de l'obligation vaccinale qui demeure quand même une question de conscience. Pourquoi on a cette guerre scientifique, mais aussi une guerre dans les églises? Certains remettent en question le fait justement de recevoir ce vaccin comme étant une marque qui pourrait influer sur notre salut. Du coup, je pense qu'il te faudrait effectivement revenir sur la question, à savoir quelle est la relation entre le fait d'être traité de manière sanitaire par rapport à cette crise et aussi nous par rapport à notre foi. Comment aborder cette question, à savoir est-ce que nous devons suivre le mouvement, même si on parle d'obligation et nous n'avons pas de recul par rapport à ce vaccin, comme l'avait souligné le docteur Raouté, ou est-ce que nous devons garder cette position comme être dans un fort totalement fermé et hermétique à toute disposition de cette crise, tout en gardant justement cette dimension spirituelle que nous prônons, à savoir mettre en pratique les principes de la foi et de la préservation de notre santé et ne pas, j'allais dire, ne pas céder aux appels des sirènes de recevoir des injections dont nous ne comprendrions pas la provenance. Donc, voilà le débat, en fait, qui était sur les réseaux. Accepter le vaccin, est-ce une marque, et refuser et rester position. Et voilà, donc, c'est à mon avis qu'il faudrait effectivement revenir sur la question. Merci. Alors, puisqu'il est promis de revenir sur la question, nous allons conclure. Alors, moi, je dirais simplement que je remercie tous ceux qui ont voulu participer cet après-midi. Bon, certains sont peut-être déçus, d'autres se réjouissent. Mais je veux remercier Dr Raouté qui nous a assistés et je l'invite à être avec nous la semaine prochaine. Dr Raouté, est-ce que tu as un petit mot de conclusion par rapport à notre rencontre de cet après-midi? Bon, comme mot de conclusion, je dirais que dans un contexte, je dirais que la vaccination, bon, en elle-même n'est pas la seule solution, n'est pas l'unique solution. Il y a des solutions
alternatives qu'on peut aussi mettre en œuvre. La vaccination, pour, selon la compréhension qu'ils ont, c'est des décisions aussi politiques, il faut les comprendre. La vaccination est la seule arme dont ils disposent. Et je les comprends un peu parce que les méthodes alternatives demandent du temps, un peu plus d'efforts individuels que d'accepter la vaccination. Le fait que ce soit devenu obligatoire dans certains pays et pas d'autres, à la même vitesse, tout ça, c'est des points d'interrogation qui, malheureusement, n'aident pas à éclaircir l'avenir, en tout cas, la visibilité pour chacun. Mais je dirais que continuons à beaucoup plus sensibiliser les personnes sur tout ce qui contribue à renforcer le système immunitaire. C'est déjà aussi une grande partie du combat qui doit être mené. Les huit lois de la santé telles que nous les connaissons. Et continuons autant que les gens le peuvent, s'ils ont à disposition le traitement contre la maladie et qu'ils peuvent le prendre très tôt dès les premiers symptômes, ça aussi, ça aide. Et pour les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes avec plusieurs pathologies chroniques. Alors, docteur Etougué, un mot de conclusion? Je voudrais juste conclure sur la soi-disant obligation. Je sais que le président Macron, dans ses dernières résolutions, est allé contre les résolutions de l'Assemblée parlementaire européenne de 2021, qui dit que pour garantir le vaccin un niveau élevé d'acceptation, il faut s'assurer que les citoyens et les citoyennes soient informés que la vaccination n'est pas obligatoire. Et donc, je pense que les personnes doivent défendre leurs droits, comme Paul le faisait, il était de Tarse. Il était également citoyen romain. Lorsqu'on voulait le battre en tant que citoyen romain, il demandait est-ce qu'il vous est permis de battre un citoyen romain. Nous avons des droits européens que nous pouvons mettre en exergue. Je pense qu'on ne doit pas perdre l'emploi à cause du vaccin. Cependant, la personne qui est une professionnelle doit montrer la vaccination PCR qui coûte beaucoup en France, par exemple. Donc, tout ça, c'est quand même complexe. Donc, ma conclusion, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, pas dans un esprit de panique, mais dans un esprit vraiment cartésien. On essaie de trouver des solutions pour toutes les éventualités afin qu'on voie comment l'Église, dans ces problèmes de la faim-là, peut subsister sans paniquer. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Nous sommes victorieux, nous sommes conquérants, nous sommes stables. Tony, un petit mot de conclusion. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas tellement à dire, plus comme observateur, et peut-être par la grâce de la semaine prochaine, quand on va bien rentrer de plein pied dans le contexte théologique biblique, qui est ma spécialité, je pense que là, j'aurai beaucoup à dire. Mais qu'à ça ne tient dans ce qui a été dit, je pense que nous devons rester biblique, en harmonie avec la parole de Dieu, à chacun de faire, n'est-ce pas, son choix, s'il faut ou ne pas se vacciner, et remettre en tout entre les mains de Dieu. Merci. Merci. Alors, pasteur Voltaire. Oui, bien sûr, au-dessus de tout, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui seraient dans la crainte et qui font face à l'incertitude avec une certaine appréhension. Rappelez simplement que Dieu a toujours été sur le trône de l'univers. Peu importe les difficultés que l'humanité a pu connaître, il a toujours été aux commandes de l'existence. Et on peut faire nôtre une déclaration qu'il adressait à Israël d'antan, qui était donc déporté, qui était entre les mains de l'ennemi. Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà, cette promesse, si nous y croyons, alors elle était à l'endroit du peuple de Dieu en premier lieu, mais dans le cadre d'une relation personnelle que chacun peut avoir avec Dieu, il peut trouver force, il peut trouver les ressources nécessaires afin de faire face à ce défi d'aujourd'hui dans le calme, dans la quiétude et la sérénité. Merci bien. Alors,
J'aimerais quand même donner une information. Il y a une vidéo qui circule très sérieusement en ce moment où quelqu'un donne un compte-rendu d'une lettre interne de l'industrie pharmaceutique Pfizer qui aurait reconnu avoir créé un poison et qui aurait découvert l'antidote qui sera mise en circulation très bientôt. Alors, je ne sais pas si c'est une fake ou si c'est quelque chose de juste, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes prêts à entendre toutes sortes de choses. Par contre, j'ai eu récemment le témoignage d'une jeune femme qui aurait été soignée involontairement pour le coronavirus alors qu'on soignait une autre pathologie pour laquelle elle avait reçu de l'ivermectine. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle avait reçu de l'ivermectine, elle a fait un test sanguin pour découvrir qu'elle avait eu le COVID, mais sans aucune conséquence, puisqu'on traitait une autre pathologie et l'ivermectine a contribué à amoindrir les risques, ce qui lui fait dire que cela fonctionne et cela marche. Maintenant, quelques temps après, quand elle a voulu en acheter d'autres ou quand d'autres personnes autour d'elle ont voulu en acheter d'autres, cela était impossible parce qu'il lui a été dit que l'ivermectine n'existait plus ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en Guyane d'ailleurs, puisqu'elle aurait été réquisitionnée. Alors, pour conclure notre débat d'aujourd'hui, qui est le premier du genre et sur le thème, puisque la semaine prochaine nous continuerons, moi j'aimerais vous dire qu'effectivement, le vaccin est une marque. Cela peut vous surprendre, mais aujourd'hui, quand on entend le discours gouvernemental, le vaccin est devenu une marque sociale, une marque politique, puisqu'en réalité, les vaccinés se distinguent des non-vaccinés et les partis politiques font de ce sujet un élément qui permet d'ailleurs de marquer leurs électeurs, marquer leur soutien. Donc, le vaccin est devenu une marque sociale, puisque les non-vaccinés s'entêtent à ne pas se faire vacciner, alors que les vaccinés, contrairement à ce qu'on aurait dû comprendre, ont peur des non-vaccinés. Alors, c'est une marque sociale. C'est donc une marque quand même si ce n'est pas la marque de la bête. Mais en réalité, pris sous cet angle, le vaccin serait la marque d'une bête qui elle-même a dit « la bête des événements arrive ». Et au moment où il prononçait cet élément d'identité, le président n'avait pas dit de quelle bête il s'agissait, puisque nous avons découvert que la bête en question, c'était le COVID. Donc, le vaccin, c'est la base de la bête du COVID. Mais nous allons voir la semaine prochaine à quoi cela correspond. Mais avant de terminer, j'aimerais que nous nous recueillions un peu, parce que j'aimerais quand même que nous souvenions de la mémoire de ceux qui ont quitté cette terre, affligés par le COVID. Nous avons des amis, des parents, nous avons des frères et sœurs qui aujourd'hui sont 6 pieds sous terre après avoir contracté la maladie et n'avoir pas pu résister, quelles que soient les raisons qu'on ait pu trouver. Certains ont quitté la terre après avoir reçu 2 ou 3 doses. J'aimerais quand même que nous ne banalisions pas cette situation et que nous y pensions et que nous pensions à la mémoire de ceux qui sont partis parce qu'ils ont quitté cette terre dans un moment presque de désespoir. Et puis nous voulons adresser des mots d'encouragement à ceux qui, à l'heure même, sont affectés par la maladie et luttent avec elle en leur disant de faire confiance à Dieu, que les médications qui leur sont administrées ne sont pas le salut absolu, mais que seul Dieu peut étendre sa main, car il est le grand médecin. Nous voulons aussi vous dire qu'un de nos internautes, notre ami Georges Boto, ainsi que toute sa famille, ont été affectés. Mais aujourd'hui, je veux rendre le témoignage que les prières ont marché et ils s'en sont sortis par la grâce de Dieu. Donc, nous voulons vous souhaiter à tous une bonne fin de semaine. Nous voulons aussi encourager les familles qui ont perdu des proches. J'en connais
plusieurs. J'aimerais adresser quelques mots d'encouragement à Michel, qui est sur le Zoom avec nous et qui a perdu son petit frère à cause du COVID, Sonny, que je connaissais très bien. J'aimerais adresser quelques mots d'encouragement à la famille Litardier, qui a été aussi contaminée et qui est en pleine lutte. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, et j'espère que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous serons encore ensemble et nous allons pouvoir nous pencher sur la Bible et découvrir exactement quel rôle doit jouer cette marque et aussi quelle position nous devons tenir face à l'obligation et aux différentes obligations.